Il y aura tout d'abord le mot de bienvenue du Comité national du Sénégal à l'endroit de moi-même. Je reviendrai avec un mot de la cellule de coordination régional du projet basé à Bamako. Et ensuite, la troisième intervention qui marquera l'ouverture sera celle du directeur général de la protection des végétaux du Sénégal. Le président du comité national représente M. le directeur. Donc, il reviendra pour l'allocution de M. le directeur. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole au comité national, le président du comité national de lutte contre les mouches de fruits du Sénégal. Monsieur le président. Je voudrais, en ma qualité de président du Comité national de lutte du Sénégal, souhaiter la bienvenue en terre sénégalaise à tous les participants venant de la Gambie, de la Guinée, tout à l'heure du Ghana, et naturellement du Sénégal, mais aussi aux formateurs, la bienvenue donc en terre sénégalaise. Je n'oublie pas ceux qui s'occupent de la logistique qui nous ont permis les uns et les autres d'être là au bon moment, l'équipe de soutien. Mais je remercie aussi les autorités sénégalaises, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural et le docteur Émile Victor Colli, délégataire de ce ministre et s'occupant du secrétariat permanent du Comité national de lutte du Sénégal. MPC que je représente et que je vais dire un mot à son nom tout à l'heure. Parce qu'ici au Sénégal, l'accord entre le projet régional et le Sénégal a été signé par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le docteur Papa Abdoulaye Seck, qui a ensuite
fait valoir un partenariat dynamique entre le secteur privé et le secteur public. Il est représenté par la direction de la protection des végétaux, mais aussi d'autres départements ministériels et d'autres techniciens s'occupent de la mangue, qui avec nous, le secteur privé, formons le comité national et la présidence a été dévolue au secteur privé à ma personne. Donc c'est la pertinence de ce schéma et de ce partenariat public-privé en vigueur ici au Sénégal, dans ce secteur. Je renouvelle au nom du comité national nos sincères remerciements et notre profonde gratitude aux autorités de la CEDEAO et de l'IEMOA qui nous ont permis d'avoir ce projet régional pour 8 pays de la CEDEAO, mais aussi leurs partenaires techniques et financiers qui ont financé ce projet, l'AFD, l'Union européenne, et en partenariat technique, le collège ACP. Nos remerciements donc s'adressent naturellement à tout ce monde qui ont permis d'avoir ce grand projet. Je remercie aussi la coordination représentée par le docteur Claude ici, qui nous soutiennent, qui diligentent tous les projets que nous soumettons, en tout cas dans une dynamique très, très remarquable. Donc, soyez notre interprète auprès de toute l'équipe de la coordination pour leur adresser vraiment nos remerciements. La mangue qui nous réunit aujourd'hui est une grande filière dans la CEDEAO. 13 des 15 pays de la CEDEAO produisent de la mangue. C'est plus d'1,3 million de tonnes de production par année, en moyenne. C'est même plus que ça. C'est une production qui s'étale de février à septembre chaque année dans la zone. C'est une grosse opportunité pour la CEDEAO. J'ai toujours dit que la mangue était un produit fédérateur qui devrait accompagner les intégrations au niveau politique. Et je pense que la mouche qui est entrée chez nous en 2004 ou 2005, qui est un ennemi, a été un prétexte pour mettre en valeur cette opportunité de fédérer les acteurs de la filière mangue de la CEDEAO. Je pense que donc le challenge en dehors est au moment de lutter et d'éradiquer ce fléau, c'est aussi nous mettre dans les abris de pouvoir transformer ce fléau en une opportunité pour les acteurs et pour les populations. Pour développer le commerce intra-régional, mais pour aussi mettre en œuvre toutes les opportunités qu'offre cette grande chaîne de valeur. Parce que la mangue aussi est un produit qui subit toutes les formes de transformation possibles. Et elle peut donc être valorisée. Et dans le monde, il y a plus de 33 millions de tonnes de mangue. Mais le commerce international tourne autour de 850 millions de tonnes seulement. 850 000 tonnes seulement. Dans la région, donc sur les 1,3 million de tonnes, nous perdons chaque année entre 40 et 50% de la production. Ceci est aggravé par la mouche, l'infestation de cette mouche, mais aussi par des conditions, des contraintes d'ordre logistique, des productions qui arrivent en même temps, de la saison des pluies qui s'en mêle, et plein d'autres fléaux. Mais je pense que la CEDEAO avec nous, de 2006 à 2014, nous nous sommes battus pour avoir ce projet. Et je pense qu'aujourd'hui, il est en train d'être mis en œuvre
Mais je pense que nous avons le plaisir d'être avec monsieur le responsable de la composante lutte. Mais la lutte va être longue. Elle n'a peut-être même pas réellement démarré encore. Donc ça veut dire que nous devons, nous tous, être conscients que c'est une bataille. Je le disais avec lui hier dans la voiture, que ce n'était pas une course de vitesse pour éradiquer cette présence de la mouche dans notre zone. Et comme par hasard, la saison 2016 d'exportation a révélé qu'on avait eu un record dans l'histoire en termes d'intercession de nos mangues sur le marché européen dû à la présence de la mouche des fruits. Plus de 100, en tout cas, 100 interceptions. C'est un record, c'est beaucoup de milliards perdus. Et c'est là qui m'amène à saluer la pertinence de l'atelier qui nous réunit aujourd'hui. Parce que la lutte contre la mouche de fruits ne pouvait pas s'arrêter sur les exploitations. Dans les champs, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et des piqûres nous échappent au moment de récolter. Des piqûres accompagnent la production aux stations de conditionnement. Des piqûres accompagnent la mangue dans les conteneurs. Des piqûres sont apparues à l'arrivée dans les centres et dans les frontières au niveau des contrôles. Et donc, c'était très pertinent de se dire la lutte ne peut pas s'arrêter dans les vergers. Et je salue cette initiative de la coordination qui a pensé qu'il fallait former aussi les gens au niveau post-récolte, accompagner les initiatives que chacun, tous les gens sont en train de faire, peut-être chacun de sa manière, mais qu'il était bon d'harmoniser tout cela pour mieux coordonner cette lutte. Et en ce moment-là, si en amont, les gens s'occupent des vergers, en aval, les exportateurs, parce que on a toujours parlé et évalué les pertes au niveau des champs, sur l'arbre ou au niveau du pied de l'arbre, ou dans les marchés, dans nos marchés locaux. Mais cette grande perte au niveau des exportateurs pouvait nous échapper. Parce que les DPV qui reçoivent les notifications, ils reçoivent les notifications en termes quantitatifs, mais ils ne sont pas dans le business pour savoir ce qu'on a perdu. Un conteneur de 40 pieds, c'est 20 tonnes, 21 tonnes. C'est 13 millions de francs CFA. Imaginez sans interception. C'est plusieurs milliards. Donc, franchement, docteur, c'est toute la pertinence de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment sur ces mots que moi, je renouvelle au nom du Comité national du Sénégal tous nos remerciements. Et je dis aux participants que vous assistez là à un des ateliers les plus importants de ce projet, parce que le problème, il est là-bas aussi. On prend souvent la partie commerce, la partie exportateurs comme les plus aisés de la chaîne de valeur, mais c'est eux aussi qui prennent des coups. Et je pense qu'il était important de tenir compte de ces gens-là et d'essayer de renverser la tendance. Donc, mesdames et messieurs, c'est sur ces mots vraiment que je souhaite aussi plein succès à nos travaux. Merci. Le Comité national de lutte contre les mouches de fruits du Sénégal, pour son leadership dans ce domaine. Nous sommes informés qu'en dehors de ce projet, ils ont également le leadership d'une initiative encore plus grande qui, Dieu voulant, verra le jour et aura encore plus d'impact pour les opérateurs de la filière. Je voudrais aussi
les féliciter pour le cadre qu'ils nous ont offert, hein, n'est-ce pas? Chers participants, s'il y a quelqu'un qui n'est pas bien réveillé, écoutez, la piscine n'est pas loin. Hein? Hein? Juste, vous sortez, vous prenez un bain, et puis vous revenez, et vous serez plus en jambes pour supporter même un atelier qui peut durer combien, Anna, 24 heures sur 24, n'est-ce pas? Voilà. Donc vraiment, je pense que dans le processus de nos ateliers, on ne pouvait trouver meilleur cadre pour conclure, parce que cet atelier, c'est effectivement le dernier de notre année administrative. À partir du mois d'août, la CEDEAO, l'Union européenne, l'AFD, tout le monde va en congé. Et nous avons la chance de finir donc dans un cadre enchanteur, à l'endroit de nos collègues de Guinée, de Gambie et, je ne veux pas dire du Sénégal, vous êtes chez vous. Soyez relax, sentez-vous à l'aise. Il s'agit d'une rencontre d'échange, d'expérience. Quand je vous vois, je sais que vous avez beaucoup à dire. Les uns parce que vous vivez le problème, comme Monsieur le Président. Les autres parce que vous supportez les acteurs qui souffrent de cela. Alors, c'est pourquoi cet atelier rassemble les organisations professionnelles, c'est-à-dire ceux qui font de la filière mangue leur business, leur affaire. Ils gagnent de l'argent là-dedans. C'est très important parce que le projet ambitionne de mettre en relation directe les opérateurs privés et les services publics. C'est pourquoi chacun de vos pays est représenté entreprise pour échanger ensemble sur les meilleures voies et moyens de trouver les solutions à ce problème. Alors, pour élargir un peu le débat, je dirais que vous n'êtes pas sans ignorer que le secteur horticole, c'est véritablement le secteur qui recouvre le plus grand potentiel en termes de développement en agriculture. Que ce soit pour les légumes ou bien pour les fruits, lorsque quelqu'un exploite un hectare, que ce soit un hectare de tomates, un hectare d'oignons, un hectare de mangue, eh bien, ce qu'il a comme revenu, c'est 4 à 5 fois plus que ce que on gagne quand on fait du maïs, du sorgho, du mil ou du riz. Il n'y a pas de comparaison. Seulement, le secteur est mal structuré et il y a beaucoup de pertes. De sorte que l'on ne réalise pas qu'il y a là un potentiel à valoriser. Alors, revenant au problème des mouches des fruits, le constat est que ce problème empêche l'épanouissement de nos petites et moyennes entreprises. Comme le président l'a dit, lorsque vous tentez d'exporter vers certains marchés et que vous souffrez d'une ou deux interceptions, c'est l'ensemble de vos bénéfices, hein, qui sont perdus pour l'année. C'est-à-dire que vous avez perdu toute l'année. Parce que ça représente une perte énorme. Alors, nous ne pouvons pas continuer ainsi sans vraiment essayer de voir s'il y a des stratégies. Et c'est en cela que je salue
la présence de Madame Anna et je la remercie pour avoir accepté de faire le déplacement depuis le Portugal pour venir partager avec nous les astuces, les stratégies qui peuvent être déployées pour minimiser nos pertes. L'objectif de la rencontre, c'est ça. Parce que si nous savons comment minimiser les pertes à l'export, nous allons aussi apprendre comment minimiser les pertes pour le marché intérieur. Parce que, disons-le tout net, les mangues, nous ne les produisons pas pour les Européens, nous les produisons d'abord pour nous-mêmes. Et lorsque vous rencontrez les propriétaires de vergers, je reviens de Guinée où nous avons été dans un verger où il y a, on pouvait estimer la perte très facilement à 50%. Ben, le producteur qui n'a que ça, il ne sait à quel sens se vouer, il n'y a pas de, de recours possible. Donc, une grande partie de nos producteurs souffrent, hein, sans savoir à quel sein se vouer pour résoudre ce problème. Il est donc important que, après le champ, vous qui avez certainement les, la possibilité de, d'adopter, parce que ce n'est pas parce que souvent les moyens de lutte n'existent pas. C'est tout simplement parce que les opérateurs se disent c'est hors de portée. Je n'ai pas l'argent pour pouvoir lutter contre ça. J'ai conscience du mal, mais je n'ai pas les moyens de lutter. De même que les autres problèmes sanitaires, que ce soit sur le plan humain ou animal, que nous vivons, si on prend par exemple le cas du sida ou le cas d'Ebola qui est heureusement passé, tant que vous avez des solutions et que vous ne pouvez pas vous les approprier, ça ne sert à rien. Même le palu, si on vous dit que vous avez des produits pour vous soigner, vous sortez, vous faites le tour des pharmacies, vous n'en trouvez pas, ça ne sert à rien. Pourquoi, à quoi ça sert de savoir qu'on peut se soigner si on ne peut pas souffrir le médicament? Alors, c'est ensemble que la structure, la filière doit s'organiser. À travers les opérateurs professionnels, nous pensons qu'il y a là une opportunité d'aider ceux qui vont distribuer les produits phytosanitaires à importer dans chaque pays ce qui est nécessaire pour lutter contre les mouches de fruits. S'il n'y a pas de marché, il n'y aura pas d'offres. Parce que les offres suivent là où il y a possibilité de vente. Vous n'allez pas exporter vos mangues en Europe si les Européens ne demandent pas la mangue. De même, les technologies qui existent ailleurs ne peuvent pas venir chez nous si nous ne créons pas les conditions de leur utilisation. C'est pourquoi cet atelier vraiment tombe bien à propos et je vous invite chacun à exprimer librement vos attentes, vos contributions, vos expériences pour que nous partageons ce qui est connu au Sénégal. Il faut que ce soit partagé avec les Guinéens, avec les Gambiens, avec le Ghana. Et ensemble, maintenant, les opérateurs ne verront pas seulement le petit marché du Sénégal ou de la Guinée ou de la Gambie isolément. On va voir qu'il y a dans la région un marché global. Les gens parlent de globalisation, de mondialisation. Quand on estime les potentialités, on ne regarde plus seulement les États. On regarde les grands espaces économiques et la CEDEAO se veut un espace économique viable. Donc, en horticulture, si nous nous donnons la main, c'est sûr que vous verrez des gens qui vont venir vous proposer des produits de lutte très efficaces contre les mouches de fruits. Je peux déjà vous annoncer que grâce à ce projet, il y a eu au moins 3 produits de lutte qui ont été homologués à la session passée du CSP, parmi lesquels
certains contribuent à soulager énormément les souffrances des producteurs. Si je prends par exemple le succès à Pau, où on était obligé de traiter chaque semaine et au risque de perdre le produit s'il y a une pluie, il y a maintenant un produit qui juste, vous avez juste à suspendre ça sur votre arbre et ça dure pendant 3 mois. Toute votre campagne mangue est protégée parce que le produit reste actif pendant toute la campagne. Lorsque nous l'avions étudié et que nous avons autorisé son homologation, ben, il n'est pas venu sur le marché parce que la firme a estimé que le marché était trop étroit. Voilà. Mais depuis qu'ils ont su qu'il y a 8 pays qui sont dans un projet et que potentiellement les 8 pays pourraient commander ensemble, ils sont venus, ils ont supporté les coûts d'homologation et le produit sera mis à la disposition des DPV pour la conduite des vergers pilotes à partir de septembre prochain. Alors, pour ne pas être trop long, je vais donc vous encourager et encore demander à Monsieur le Président du CN de transmettre toute notre reconnaissance au directeur de la DPV et aux autorités, aux plus hautes autorités du Sénégal, qui ont vraiment pris à cœur la lutte contre les mouches des fruits au Sénégal et supportent également les initiatives régionales. Merci. Monsieur le Président du Comité national du Sénégal, Madame, Messieurs les formateurs, Mesdames, Messieurs les représentants des comités nationaux de la Gambie, de la Guinée, du Ghana et du Sénégal, permettez-moi tout d'abord, au nom du ministre, le docteur Pape Abdoulaye Seck, de vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour. Je suis particulièrement heureux de présider cet atelier régional de formation des formateurs aux techniques post-récolte de lutte contre les mouches de fruits, financées dans le cadre du plan d'action 2016-2017 du projet Soutien au plan régional de lutte et de contrôle des mouches de fruits en Afrique de l'Ouest. Parmi les nombreux défis que l'agriculture ouest-africaine devra relever, figure en première place la sécurité alimentaire. Cependant, les conséquences socio-économiques occasionnées par les pertes de production dues aux mouches des fruits sont considérables, avec des impacts négatifs sur les revenus des producteurs de mangue et les recettes d'exportation des pays touchés. Au Sénégal, la production de mangue représente 63% de la filière fruits et légumes, constitue l'un des piliers les plus importants du programme de relance et d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, PRACAS, volet agricole du plan Sénégal émergent. En effet, les activités post-récolte, notamment le tri à la récolte et au conditionnement des mangues infestées, l'inspection et le contrôle de la qualité mangue avant export, constituent des étapes très sensibles dans le dispositif de gestion des mouches des fruits. C'est ainsi que le projet qui nous réunit a demandé aux experts consultants, après un diagnostic poussé du processus d'exportation des mangues dans les 8 pays bénéficiaires, l'élaboration de modules et plans de formation permettant de combler les lacunes des différents acteurs intervenant dans les opérations post-récolte. Cette session de formation doit permettre aux opérateurs, inspecteurs et contrôleurs de qualité ici présents d'affiner leur niveau de connaissance et de compétence sur les techniques post-récolte de contrôle et de gestion de la mouche pour une meilleure qualité de la mangue à l'exportation. Elle doit non seulement vous permettre de mener à bien les actions de conditionnement et d'inspection dans vos pays respectifs, mais aussi
de capitaliser les différentes orientations des experts formateurs. Pour ce faire, il est demandé à l'expert, aux experts, de vous amener à un même niveau de maîtrise des techniques post-récolte de lutte afin d'harmoniser nos pratiques. Je salue cette importante initiative de la CEDEAO, regroupant des techniciens et opérateurs des pays dans la dynamique de mutualiser les approches stratégiques pour une meilleure maîtrise des techniques préventives et curatives de contrôle des mouches de fruits avant exportation dans l'ensemble des pays affectés par ce fléau. Madame, Messieurs, je serai très attentif aux résultats issus de cet atelier et veillerai à leur application concrète au Sénégal. Je ne saurais terminer sans exprimer mon entière satisfaction à l'Union européenne, l'AFD, la CEDEAO et l'UEMOA pour leur soutien financier. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier formation des formateurs aux techniques post-récolte de lutte contre les mouches de fruits. Je vous remercie. Je me présente, je suis journaliste à la télévision RDV, spécialisé dans les films documentaires. Voilà, merci. To all of you, my name is Moussa Kande. I came from the Gambia. I'm working with the National Research Institute, NARI. I came from the Gambia. I'm the packhouse manager of Gambia Horticultural. My name is Youssoufa Touré. I came from Gambia. I'm working with PPS Plant Protection Unit. Good morning. My name is Mama Camara. I'm working at Ravel Farm as a quality control. Je m'appelle Dr. Maxime Tamba Kamano. Je travaille au centre de recherche à l'IRA de l'Institut de recherche agronomique de Guinée. Je suis le chef de production et de protection au niveau de l'Institut. Et j'ai travaillé durant 12 ans au Fouta Jalon sur la protection des mouches, sur les agrumes. C'est la deuxième fois que je me rencontre avec Mania. Et il y a deux ans, je travaillais comme directeur du centre régional de recherche à Fulaya, où j'ai travaillé sur les mouches de fruits à l'Institut là-bas. Et actuellement, je suis à Conakry, à l'Irak, comme chef de division. Moi, je suis Ibrahim Ba de la Guinée, Conakry. Je suis assistant technique à la Fédération des planteurs de filières fruits de la Basse-Guinée. Fana Mamadou. Donc, je travaille au Laboratoire national de la protection des végétaux. Donc, je suis actuellement le chef de département. Donc, la cellule biologique, n'est-ce pas, de notre laboratoire. Bonjour, je suis donc docteur Oufouadouza Léli-Claude. Je suis le responsable de la composante lutte de ce projet CEDEAO Mouche des Fruits. Merci. Bonjour, je suis donc chef Ngan. Je suis producteur de fruits et légumes, exportateur entre autres de mangue. Je suis le président de la coopérative fédérative des acteurs de l'horticulture du Sénégal, président du comité national de lutte du Sénégal, président du bureau provisoire de l'Alliance régionale de la mangue de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour, alors, je suis Anna Larcher, comme Claude l'a dit, je suis du Portugal. Je suis ici en représentation de l'équipe qui a préparé les modules de formation. Donc, j'ai préparé ça avec mon collègue Nikos Papadopoulos de Grèce et avec un autre collègue que certains de vous ont connu, M. Abilio Coutinho, qui malheureusement est décédé au cours de ce projet.
Je travaille depuis longtemps, j'ai fait mon doctorat sur les mouches des fruits, sur l'analyse coût-bénéfice des projets de lutte régionale. Comme vous savez, les mouches des fruits, il faut combattre d'une perspective régionale, c'est très difficile de combattre au niveau individuel. Donc,